Bon, on reprend. Je viens d'envoyer un mail à Smoke Giant là, pour leur dire qu'ils arrêtent leurs conneries parce que je commence à m'habituer à avoir des puzzles comme ça. Et ça va pas du tout. Alors là, mes trois bleus me plaisent et j'ai bien envie par contre d'échanger les verts contre des rouges. Déjà, ma copine Mitsuko, c'est obligé. Et par contre, il y a elle là qui m'embête très fort. Et alors, est-ce que je joue le 3-1-1? Parce qu'en rouge, du coup, s'il y a des. S'il y a des esquives, je suis dans le cacao. Parce que j'ai rien pour l'enlever. Alors, du coup. Où est-ce que je viens mettre une Elisabeth? Mais en même temps, il a mis le pingouin, mais le pingouin, il n'y a pas de sbires. Il n'y a que lui qui se met des sbires. Il n'y a pas de sbires à côté, c'est un peu con. En même temps, Mitsuko m'assure de lui renvoyer. Il me faut du rouge, c'est obligé de toute façon pour contrer Octros, pour lui piquer ses tuiles rouges. Est-ce que je mets un autre rouge? That is the question. Elisabeth, elle peut être pas mal quand même hein, pour baisser la génération de mana, baisser tout ça là. Ou alors je rajoute un bleu. Ou alors je rajoute un bleu, je compte sur les tuiles et puis je rajoute un bleu. Je rajoute Sonia. Si je suis pas sûr de moi, de quoi mettre, je peux rajouter Sonia. Tant pis, je tente à 4-1 et puis on voit ce que ça passe. Ah oui, mais j'ai pas de deuxième soigneur du coup. Du coup, je vais faire confiance à mon équipe qui était là. On va passer ça comme ça. 11, 22. Mitsuko, elle a besoin que de la 11. Par contre, Boltusk, la 22, ça lui fera pas de mal. Ouais, bah je vais tenter cette équipe. Allez, on y va. Alors, j'ai 4 bleus, c'est sympa, mais contre du vert. Par contre, du rouge, j'ai. J'en ai déjà. Alors, soit j'en prends 4 là. On va faire ça. Voilà, ça c'est pas mal ça. Là, il y a un joli petit combo qui va me charger ma Mitsuko. Voilà, nickel. Et maintenant. Je vais aller charger mon petit pingouin. Vas-y, viens mon petit pingouin, vas-y. Poum, au revoir pingouin. Alors. Trois bleus ici. Par contre, elle fait mal, elle. Ouh, elle fait mal. Aïe, aïe, j'ai mal d'avancer avec Octros. Oh là là, oh là là, oh là là, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon cette histoire. Oh là là, c'est encore un. Ça va me sauver. Oh là 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 là, le combo de ouf qui me sauve encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Bon sang! Mais c'est complètement pété! Complètement pété! J'ai jamais vu ça. J'étais sur le point de me faire complètement défoncer, et puis le combo magique. Bon. Oh, full
jaune, tiens donc. Alors, Lindenbrock, je peux pas la blairer, elle. Alors, invocateur de sbires et de démons, donc on va oublier tout de suite les Elisabeth et puis compagnie. C'est parfait, j'avais pas trop l'intention d'en mettre. Lui, gna 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 gna, tous les ennemis qui possèdent un sbire ou un démon, on s'en fout. Lien élémentaire, un sbire sacré pour tous les alliés sacrés. Alors là, par contre, il y a peut-être moyen de. Son lien élémentaire, lui, il invoque un sbire pour tous les sbires sacrés. Donc il y a peut-être moyen de lui de facilement le contrer avec Euskadi. La question est, donc du coup, je garde mes bleus et je les associe à quoi? Il y a Drakefang qui est très chiant avec son aveuglement. Il y a Lindenbrock qui est très chiante avec son boost de santé là. Donc il y aurait forcément du truc à enlever. Donc je reprendrais bien une petite dose de Phileas Fogg avec Mélandor. Repartir avec mon équipe là. Hein. Là, la 22. Là, la ninja. Et avec cette équipe là. Allez, on y va. Ouh là là, par contre, ouais, ça va vraiment être compliqué là. 4 tuiles bleues. Là, je sens que là, c'est bon, le jeu a repris son droit. Le jeu a repris son droit, mes amis. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Alors. Par contre, j'ai pas beaucoup de verre pour enlever tout ça. Oh la vache. Alors, je vais me prendre Pénolite dans la tronche. Donc, on va faire ça qui va faire vert et bleu en même temps. Oh! Po, 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 po! C'est un truc de fou furieux. De fou furieux, mes amis. De fou furieux. Vive les bonus. Laisse mon Mélandor tranquille, toi. T'as rien fait. Et là, c'est le drame. Bim! Boum. Eh bien, c'est encore une victoire! ~1245 de dégâts, Fog. Oh, truc de malade. Bon, et ben, troisième sans faute consécutif. Autant vous dire que ma défense me fout grave les boules, parce que là, je devrais être presque dans le top 100. Là. Franchement, je suis 612e. Si j'avais une défense A, je serais en haut, là. Je serais avec eux. Je suis à 1000 points. Je suis à 1050 points du premier. Donc autant vous dire que j'ai perdu défense, j'ai pris quoi? J'étais à quoi ce matin? Premier jour j'étais B. Donc j'ai pris. Il me manque 250 points et aujourd'hui j'étais. Il y a 7 heures. Ça fait 10 heures, c'était déjà passé. Donc ça compte pas. J'avais une, deux, trois, quatre défaites, cinq défaites et une, deux, trois victoires. Cinq défaites, trois victoires. 3 sur 5. Donc j'étais à 3 sur 5. Ça fait combien? 3 sur 5, Miss, qui est en sixième là. 3 divisé par 5, ça fait combien?
Oh, c'est jeune, je vous jure. Moi, je suis fatigué, donc à cette heure-ci, je compte plus. 60%. Donc. 60. Non, j'étais pas à 60%. Ah oui, j'étais à 60% de défaite. Donc, ouais, j'étais rang C, quoi. 500 points, 9. Ouais, j'ai ça, je devrais être dans le top 100. Bon, bref, avec des si, c'est pas grave. Mais là, le centième, il a 12 450. Donc, ouais, je suis à 500 points du top 100. Qui on a dans le top 100? Bon, il n'y a pas de nom qui me saute aux yeux là. Bon, allez, sur ce, eh ben, la suite, bah, demain, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, à demain.